Vallée des 10 000 fumées, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Monsieur Henri, qui a 75 ans, donc qui est assez âgé, et qui va partir à la redécouverte de la vie et du monde. Justement, à notre époque où tout semble déjà découvert, les explorations passées sont déjà allées au bout de la géographie, on a découvert tous les continents, je me suis posé la question de est-ce qu'on est encore capable de découvrir ce qu'on connaît déjà. Et c'est ce que va faire Monsieur Henri. Donc il va se réveiller un matin et il va décider de tout revoir comme si c'était la première fois, avec un œil d'enfant, un œil nouveau. Alors il va s'intéresser aux petites choses, la poussière, les coins de table. D'abord il est chez lui. Et puis petit à petit, il va se déplacer chez lui, dans son salon, il va découvrir la lumière en ouvrant ses volets, la couleur. Et puis son jardin, il va découvrir qu'il peut aller dans son jardin, il va découvrir que son jardin donne sur d'autres jardins. Et il va vouloir aller de plus en plus loin, jusqu'à la vallée des 10 000 fumées, qui est une vallée située en Alaska, et qui est pour lui une sorte de fantasme, puisque en même temps qu'il s'intéresse à la vie et à la recherche d'un sens de la vie, il s'intéresse aussi aux volcans. Il se passionne pour les volcans, en fait, il se passionne pour plein de choses, Monsieur Henri. Et il se passionne pour les volcans parce qu'il pense que les volcans détiennent la vérité sur le monde, la vérité géologique. Monsieur Henri s'intéresse à la science, c'est un peu un scientifique, il considère que la connaissance du monde passe par la science, donc le naturalisme, c'est une sorte de naturaliste amateur. Alors il va vouloir aller dans la vallée des 10 000 fumées, sauf que Monsieur Henri, c'est un anti-héros, c'est un personnage âgé, très fragile, très angoissé, hypersensible, il va pas pouvoir y aller. Il va faire des malaises chez lui, il va attraper froid, il y a son médecin qui va venir et tout, et son médecin va lui dire « Non, t'es pas du tout fait pour l'aventure. T'es fait pour une petite balade en France, mais rien de plus. » Donc c'est ce qu'il va faire. Il va faire une balade en France, au cours de laquelle il va se prendre pour un aventurier et pour un naturaliste, où il va collecter des informations, un peu comme un botaniste, un peu comme un géologue, pour essayer de trouver une vérité sur la vie. Et il y a dans ce livre une tension entre... une aspiration vers la haute aventure, avec la vallée des 10 000 fumées, avec les volcans, avec l'expédition et tout ça. Et ce que Monsieur Henri en fait, c'est-à-dire Monsieur Henri, il est juste un petit aventurier de pacotille qui fait une balade de retraité en France, quoi, en Auvergne et sur le Mont Blanc. Et tout le livre est tenu par cette tension-là entre l'aspiration d'une aventure forte et finalement une sorte de déambulation divertissante en France. Et Monsieur Henri, qui se prend pour un naturaliste, d'une certaine façon, c'est un... à mon sens, c'est un peu un poète. Parce que d'abord, il a un regard neuf sur les choses, un regard d'enfant, et c'est pour moi la condition d'un poète. Un poète doit revoir les choses, doit revoir le monde et la vie avec des yeux neufs, des yeux d'enfant. Et aussi, il a une façon de collecter les données. Quand il est quelque part, il est sensible à tout. Il observe... la lumière, la température, ce qu'il a sous les pieds, ce qu'il a autour de lui, la végétation. Et cette façon qu'il a de collecter les informations, c'est un peu comme un poète qui recherche des mots. Et en plus, il s'intéresse aux mots. Et moi, en tant qu'écrivain, j'ai écrit ce livre pour interroger la question de la perception du monde, comment on perçoit le monde. Voilà, donc c'est une sorte d'exploration poétique. Et Monsieur Henri, donc, c'est un émerveillé, et le message du livre, il est là. C'est réapprendre à voir les choses de façon émerveillée, les choses qu'on connaît tous, les choses de la vie, les petites choses du quotidien, réapprendre à les voir d'une façon émerveillée. Et pour prendre conscience que le bonheur est à portée de main et que en regardant les choses d'une autre façon, on peut tout simplement revivre d'une autre façon aussi. Et être heureux. Et ce livre, c'est un peu une leçon de bonheur.